Salut à tous, bienvenue sur NRTV Fait sa culture. Trois invités avec nous aujourd'hui, d'un côté Alioz avec Alizé et Xavier, bienvenue à vous. Comment merci, ça va? Bien, très bien. Merci. Et de l'autre côté, on était censé avoir un binôme, on n'en a qu'un. Charles Nouveau, il est où le deuxième? Je ne sais pas si on a le droit de dire... On a tout le droit de dire, c'est entre nous. Il dort, on est le matin, évidemment. Il est là où j'aimerais être, au fond de moi, en ce moment même. Donc il a de la chance. Bah, voilà. Vous saurez comment ça marche à deux, avec Charles et Alexandre, c'est comme ça. Ouais. Vous aussi, vous lancez comme ça. Arrive, ça arrive, ça arrive. Vous faites beaucoup de délations entre vous. Délations... Pas tant, un petit peu. En tout cas, on n'ose pas, il n'y a pas un des deux qui reste au lit. Mais on va y songer. Mais c'est... Ouais. Du coup, c'est Charles qui perd, mais bon, il est avec nous, c'est l'essentiel. Donc on parle de l'actualité à Lyoz. Comme on respire, le CD qui est dans les bacs depuis le 15 septembre. Numéro 5 des ventes en Suisse romande plusieurs semaines. Et une tournée programmée en France après un contrat signé avec Warner Music, ça va plutôt bien. Ben oui, ça va très bien. Ouais. Mais enfin, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qui a changé du coup après avoir signé avec Warner Music pour vous? Déjà d'avoir un entourage professionnel, d'avoir beaucoup de monde qui travaille avec nous et qui se sont embarqués dans notre histoire. Donc ça change beaucoup parce qu'avant, on faisait un peu tout à deux, on avait plein de casquettes et c'était aussi génial, mais c'est agréable de pouvoir déléguer et se concentrer sur la musique. C'est quoi les objectifs notamment du coup pour la musique? Quels sont vos grands rêves à réaliser? C'est vrai qu'on a passé pas mal d'années ici à un petit peu travailler le terrain et on a eu du plaisir à vraiment se développer en Suisse. Et puis on se disait voilà, que c'était le moment de sortir un petit peu des frontières, ou en tout cas essayer. C'est vrai qu'on chante en français et puis qu'il y a quand même pas mal de monde à côté à tenter de séduire. Donc voilà, l'objectif, ça va être un peu ça, essayer un petit peu de sortir la tête de l'eau en France. Tu dis chanter en français, est-ce que tu espères, enfin, vous pensez, songer à chanter en anglais ou pas du tout? Alors surtout Xavier. Et son bel accent approprié, c'est ça? Non, mais c'est surtout qu'on est très attaché à la langue française, c'est notre langue d'expression, je pense que c'est là où on est le plus sincère, avec le public aussi. Donc, je sais pas, moi, quand je m'énerve, je vais pas dire un truc en anglais, genre « I hate you », je vais dire « je te déteste », et ça sera beaucoup plus honnête, voilà. Charles, du stand-up en anglais? Ça tente? Ouais, non, mais j'en fais. J'en fais à Paris, j'ai fait à Montréal la première fois de ma vie que j'ai joué en anglais. Et après, depuis, j'ai joué à New York, à Amsterdam. Et en fait, ce qui est génial de pouvoir jouer en anglais, c'est de... Et je sais pas si dans la musique, peut-être que le français est plus universel que ça, parce que c'est la musique, c'est autre chose. Mais le fait de pouvoir jouer en anglais, ça fait qu'à chaque fois que je visite une ville étrangère, je me renseigne pour savoir où est-ce qu'il y a des gens qui font du stand-up. Et puis, je vais jouer. En fait, devant des Polonais, devant des Italiens, devant peu importe. Mais c'est quoi? C'est les gros mots qui sortent en premier? En anglais? Ouais. Comme dans toutes les langues, non? Enfin, c'est ce qu'on apprend en premier quand on apprend une langue étrangère, je pense. Je crois qu'Alios, tu les connais plutôt bien. Très honnêtement, je connais mal leur œuvre musicale, mais je les connais, ouais. Personnellement. Ouais, il paraît que ça vous arrive même de vous retrouver à Paris pour manger ensemble. Ah, effectivement, c'est arrivé. C'est arrivé, on était avec Alizé et Thomas Wiesel, avec qui on a fait du... C'est on a fait bien du... quand même, Thomas. Ouais, on connaît tous exactement. Les deux Thomas, et là, on s'est retrouvés les trois à Paris pour manger. C'était quoi l'objectif de faire peut-être de l'humour pour mettre ça dans vos spectacles ou pas le, du tout? Le premier objectif, c'était de relooker Thomas. Voilà, parce que ça n'a pas fonctionné. Ah, non, il y a du boulot. Vous déconnez ou quoi? Il est vintage, il est super cool mon t-shirt. pour Thomas Wiesel, absolument. C'est un projet en cours qu'on a. On s'est fixé un objectif 2022 voilà. avec Thomas Wiesel. Non, oui, ça a bien fini. Oui, on était tous contents et fiers. J'ai un doute dans ton regard. Non, c'est vrai. En attendant, tant qu'on y réfléchit, on va écouter du Alioz avec Viens la nuit. Sous les pendulaires coulés dans l'asphalte.
la congérante. Et dessous des ombres à la rue. Un homme à la fille. Homme sans visage, inondé d'images. Hystérie inutile. Pour de la rancage. Alizée, il paraît que vous détestez vous entendre, c'est vrai? Oui, enfin, disons quand on nous invite à manger chez des amis et puis qu'ils mettent en fond du Helios, ça me rend très mal à l'aise. Surtout quand je suis en train de discuter et tout d'un coup j'entends, puis je fais semblant que j'entends pas, mais en fait ça me perturbe, c'est vraiment insupportable. C'est d'ailleurs pour ça que tu n'as absolument pas écouté le morceau qu'on vient de passer. Non, j'ai même cherché à parler. Voilà. On a eu une conversation pendant... Du coup, la conversation, c'était savoir où est-ce qu'il courait, au fait, à Paris. Donc, si vous voulez savoir les bons plans pour courir... Exactement. Apparemment, peut-être demander à des gens plus sportifs que nous, déjà, ce serait une bonne idée. Faut que t'aies un t-shirt de sportif, t'es plus crédible. C'est juste pour le genre. Ah, exactement. Les apparences sont trompées. Voilà. Si l'on remonte dans le temps et qu'on revient à vos origines, on sait, Xavier, qu'on parle souvent de toi comme le mec dans l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, tu considères... t'as toujours cette image-là. Comment tu fais pour t'affranchir, au fait? Ouais, c'est pour ça. Je suis toujours... Non, oui, c'est vrai qu'au début, en fait, Helios, au début, c'était plus... le premier album en tant que tel, qui sortit en 2009, c'était plus Alizée. En fait, c'est elle qui chante beaucoup plus. Moi, j'écrivais déjà un petit peu, mais dans l'ombre, justement. Et puis, c'est vraiment sur scène, à force de jouer ensemble, qu'on a développé l'identité du duo, qu'on avait envie de chanter ensemble... tous les deux, on a commencé à écrire de plus en plus ensemble. Donc là, voilà, je suis forcé d'être un peu moins dans l'ombre. Enfin, forcé et content aussi, c'est la direction qu'on a voulu prendre. Du coup, c'est plus facile ou plus difficile d'être complètement à deux? Ah bah non, c'est mieux. C'est pour ça que je suis très contente de cet album, parce que en fait, l'album autoproduit de 2012, on avait décidé d'affirmer le duo. Donc on avait Xavier chanté plus et tout ça. Alors que là, je trouve vraiment qu'on l'incarne. Les chansons, elles sont vraiment écrites à quatre mains. C'est vraiment chanté ensemble. Donc c'est ce qui me plaît beaucoup dans cet album, c'est que j'ai l'impression qu'on ne cherche plus à être un duo, on est vraiment un duo. Mmh. Ça, c'est cool. Des mots qui ne résonnent pas du tout chez toi, Charles. J'imagine que Alexandre est tombé complètement. Ah là, je sens qu'on est un duo très solidaire ce matin, effectivement. Non, c'est... Si, ça me parle. Si ce n'est que là, il parle d'écriture à quatre mains. Nous, c'est aussi un peu le cas par moment, dans le sens où on entend sans cesse les passages l'un de l'autre sur les différentes scènes. Et on se fait des retours et on dit « là, tu pourras rajouter ça, là, tu pourras rajouter ça ». L'un comme l'autre, hein, d'ailleurs. Mais je pense que, vu qu'on a des carrières solo, ce qui n'est pas encore votre cas, je pense, non, ou je ne sais pas. Enfin, on fait pas mal de trucs l'un sans l'autre, quand même. On travaille pour d'autres, on écrit pour d'autres. Non, pas du tout, là. Pas là, non. Pas dans l'immédiat. Après, peut-être qu'après 30 ans de carrière... Charles qui veut déjà briser le duo. Ouais, vraiment, moi, je veux créer du t'es pas le premier. Hein, pour clore la parenthèse, non, on écrit beaucoup dans notre coin. Puis en plus de ça, comme on fait une discipline, le stand-up qui se veut très intimiste, on raconte des choses de notre vie personnelle, etc., qui sont souvent magnifiées ou caricaturées, évidemment, mais souvent, ça part de l'expérience personnelle. Bah, on écrit beaucoup tout seul. Et y a, c'est peut-être moins symbiotique que ça, même si avec Alexandre, on fait des spectacles à deux et on adore ça. Des spectacles à deux, mais on entend souvent dans le monde des humoristes, on dit ouais mais non, on est tous des bons copains. Bon, vous êtes des bons copains, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus un petit aspect compétition, de savoir qui c'est qui va sortir la meilleure vanne, qui c'est qui va faire rire le plus le public? Oui, bien sûr. Moi je pense, après il y a des humoristes qui sont plus compétitifs que d'autres, et je pense que beaucoup en Suisse te diront volontiers que je suis très compétitif, mais... je pense qu'inconsciemment, c'est toujours ça. C'est pour ça que c'est toujours chouette de... Plus les autres sont bons, en fait, de manière générale, plus toi, tu deviens bon, parce que cet esprit de compétition, il est inconscient et il est collectif en permanence. Et c'est important, surtout à Paris, sur les plateaux parisiens, il y a un peu un côté... Parce que chacun essaie de promouvoir son spectacle, chacun essaie de faire venir des gens, et j'ai l'impression que tout le monde y va... avec une espèce de mentalité, enfin souvent en tout cas, il faut que quand les gens partent, celui qu'ils aient retenu, c'est moi. Mmh. Et tout le monde essaye un peu de faire ça, ce qui fait que ça monte le niveau du plateau, le spectacle est génial, et puis effectivement, à la fin, en général, il y a toujours une ou deux personnes qui ont sorti leur épingle du jeu, et puis si c'est pas toi, bah, ça t'énerve suffisamment pour dire « ouais, la prochaine fois, je donne encore plus », et ça a marché. Mais entre nous, avec Alex, pas vraiment, enfin même si à chaque fois qu'on sort,
C'est très bizarre, on a tous les deux systématiquement l'impression que l'autre a mieux marché. C'est un petit complexe d'infériorité. Mais je pense que c'est un métier d'éternel insatisfait. Mais c'est vrai que vous, quand on vient vous voir, j'imagine qu'à la fin, on... Parce que vous avez déjà vu le spectacle. On a vu à Genève une fois, et après, je ne parle pas pour nous, mais je suis sûre que le public, il se dit « Ah, je préfère lui » ou « Je préfère lui ». Alors que nous, on ne va pas tellement nous dissocier l'un de l'autre, puisque c'est dans un tout. Donc c'est encore un autre type de duo, ça c'est clair. À la maison, si vous voulez faire votre choix, c'est 50-50 une fois par mois à Nyon. Nous, nous y étions ce mardi avec Edem, regardez. Bon appétit. C'est comme ça qu'on accueille les stars à Nyon. Ils ont le droit au restaurant avant. Ouais, eux, ils ont la chance, malheureusement. Ou heureusement pour eux, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est des grands, des futurs grands noms de l'humour. On vient les soutenir, on vient voir comment ça se passe. Donc on y va. Ok, viens. On va trouver où ça se passe. On m'a dit que c'était... Mais pour toi, Alexandre et Charles, finalement, c'est qui? Des adversaires, des potes? C'est des potes. On sait très bien que tout le monde s'adore dans ce milieu. Mais non, de très très, très bons potes que je vois souvent, on joue souvent ensemble. Bonsoir, bienvenue à la parenthèse, enchanté. Putain, il faut tout faire ici, c'est incroyable. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à 50-50. Bah, lui, c'est Charles Levaux. Bonsoir. Alexandre Kominek. Bonsoir. Qui va être avec tous les applaudissements. Qui est mort. Un petit moment André Rieu. C'était magnifique. Allez, quelqu'un qui lance un sujet. Allez là, un mot. Plan cul. Pardon. Tu sais quoi? Je propose que du coup, on parle de ton dernier plan cul. Déjà, comment tu t'appelles? Qui a pris cette initiative? Tu le sais très bien. Oh! Je viens de comprendre qui c'était. Effectivement, c'est très ironique. Ah, bah, c'est alors... bon, tout simple. Tu le sais très bien, dis tout. Mais en l'occurrence... en l'occurrence, c'était pas le dernier. Mais... Je sais pas si vous savez, les gars, mais nous, en fait, on peut changer le goût et l'odeur de notre sperme. Après, les filles, je sais pas si vous pouvez le faire. Mais ça serait bien. Non, parce que je dis vraiment, j'ai eu une histoire avec une fille, il y a pas longtemps, elle m'a amené chez elle, et rien qu'elle a enlevé son jean, rien que l'odeur qui émanait... J'avais l'impression de me balader au bord du port de Nyon. Donc, pour déconner, j'ai commencé à faire... Elle n'a pas apprécié, elle n'a pas accroché. Non. Mais sachez-le, les gars, on peut changer le goût de notre sperme. Il faut manger de l'ananas. Voilà. Donc moi, en ce moment, je bouffe de ouf de l'ananas. Et rien que quand je me branche, je me fais des pina colada. C'est le rire de Louis Dubourg. Alors, Edem, comment tu as trouvé la soirée ce soir? Alors, magnifique soirée. J'ai adoré Charles Nouveau. Vraiment une verve... une pilosité incroyable à me faire rougir si je pouvais. Et Alexandre Kominek, alors incroyable, un charisme, une pilosité à me faire rougir si je pouvais. Donc vraiment les deux ensemble m'ont fait blusher. Et puis il paraît que tu as un défi à leur lancer pour cette émission, c'est lequel? Oui, parce que je sais qu'Alexandre chante très bien et que Charles connaît bien Alizée. Donc j'aimerais beaucoup que Charles chante un des refrains d'Alizée et que Alexandre fasse Xavier. On attend de voir ça avec impatience, et puis toi aussi on t'attend puisque tu vas venir tout prochainement à Gland. C'est quand? Qu'est-ce qui se passe? Oui, merci, c'est bien que vous en parliez, Andrea. Je reprends mon souffle. Alors moi je serai le 9 novembre pour les afterworks de Gland au théâtre de Grandchamp avec des amis qui font du rap. Ça s'appelle le Freaky Friday, on va faire une soirée humour hip-hop, soirée triple H. Et sans drogue, en tout cas au début. Coupe pas. Et je continue, donc jeudi 9 novembre, avant ça, samedi 4 novembre, je suis au Cap de Bon Séjour à Versoix pour jouer mon spectacle, le Jardin d'Edem. Et je serai également le 1er et le 2 décembre à Genève, au Caustic Comedy Club à Carouge. Vous avez toutes les informations qui ne devraient pas s'inscrire là en bas, parce que je connais les mecs qui font la régie à Nyon Région. Et vous avez bien le temps d'aller voir sur ma page Facebook Edem Comedy. La pub est lancée, on se réjouit de te voir. Moi aussi, je me réjouis de vous voir.
Voilà toutes les dates des dames. Ben Charles, le défi est lancé, c'est tout seul. Ça marche pas parce qu'on est justement, il fallait qu'on soit en duo. Non, mais moi, en plus, pourquoi il est pas venu en tout cas. T'as pas d'excuses parce qu'il y a des paroles. Regarde. Non. Un petit sérieux. Nous, on fait les choses à l'ancienne. Il y a toutes les paroles. Alors, donne-moi voir si ça m'inspire. Mais tu peux rapper si tu veux. Je sens que t'as. Peut-être une autre fois. Mais moi, je chante très mal. Et j'ai une anecdote là-dessus, c'était à l'agence sur la première, parce qu'on écrivait des chansons parodiques qui devenaient des satires sur l'actualité. Et il y en a une, je me suis dit, ouais, je vais le faire moi et tout. En plus, je me suis entraîné la semaine d'avant en karaoké. C'était sur Pauvre Diable, c'est Vous les femmes de Julio Iglesias. Et je l'ai fait on devait le faire en direct sur la première. En plus, l'invité, c'était. J'ai oublié comment il s'appelle, mais il est extraordinaire, celui qui fait les déchiens. Cet humoriste français qui est extraordinaire, qui est sur... François Morel, qui chante très bien par ailleurs, qui est aussi chanteur. Et quand Sandrine Viglino a commencé à jouer, il y avait une réverb, il y avait un effet écho sur son orgue qu'il n'y avait pas quand on a répété les quatre fois qu'on a répété. Et j'étais complètement hors du rythme pendant 2 minutes, c'était la méga honte. Et c'est resté pendant très longtemps dans les couloirs de l'agence sur la première, les gens me faisaient pour me culpabiliser. Bah alors entraîne-toi et prochaine interview en commun. Avec plaisir. On va pas rater ça. Hein. Et regarde, je vais faire la première de l'album. Ah, quand même. Parce qu'Alexandre n'est pas là, ça s'appelle Me passer de toi. La caméra est là, si jamais. Ah, si jamais, d'accord. Voilà. Alors, me passer de toi, Alexandre. Je vais apprendre celle-là. Allez, on pourra vous retrouver le 16 février à l'usine à gaz à Nyon. On se réjouit déjà de vous revoir chez vous, à la maison. Exactement, ce sera la seule date en Suisse romande d'ailleurs. Donc venez nombreux, voilà. Je crois que les places sont en vente dès aujourd'hui. Ne ratez pas tout ça. Charles, je te propose, vu que tu n'as pas chanté, un autre métier, critique d'œuvre à Nyon. Je ne sais pas si ça te parle, parce qu'il y a une œuvre d'art intégré qui a vu jour à Nyon. On va voir justement des images. Tu vas me dire ce que tu en penses. Avec plaisir. Alors, on devrait les voir arriver. Voilà. Où est l'œuvre déjà ? Le truc rouge, J'imagine, ouais, que c'est le truc rouge. Voilà, un petit suspense, il n'est pas sûr que ce soit ça. Eh bien, oui, c'est bien ça, de l'art intégré, qui a reçu d'ailleurs un prix, le 3e prix d'art intégré. Qu'est-ce que t'en penses, Charles ? C'est... Ton silence en dit long ? Je suis probablement trop cynique pour parler d'art contemporain. C'est le genre de truc où j'ai beaucoup de facilité à m'en moquer. Mais je sais pas, non, mais faudrait que je le voie en vrai, parce que ça, c'est clairement un truc qu'il faut, faut être en face de ça pour un peu le vivre et le respirer, je pense. Mais c'est où, Agnon ? Alors, c'est juste en face de l'école du Couchant. Donc tu peux y aller, tu veux pas le louper, c'est immense. Et puis ça rapporte pas mal d'argent. Donc si jamais tu veux te lancer dans une autre carrière, n'hésite pas. Quoi, l'art contemporain ? Voilà. Éventuellement. C'est toujours bien d'avoir des backups quand on fait ce genre de métier, je pense. Évidemment. D'abord, on va privilégier ça. Quelles sont tes dates à toi tout prochainement ? Alors, toi et Alex. À Nyon, on revient le 28 novembre. On joue un mardi par mois à La Parenthèse à Nyon. Mm-hmm. On salue La Parenthèse d'ailleurs, qui nous accueille avec beaucoup de bienveillance. Et on rejoue la veille, je crois, le 27 novembre à Lausanne, au Bleu Lézard. Et à Nyon, vous pouvez venir nous voir. On est une fois par mois là-bas, une fois par mois à Lausanne. Pourquoi avoir choisi de venir à Nyon ? Plus de sous ? On était deux fois par mois, à Genève, et on avait envie de jouer de plus en plus, quoi, pour jouer de. Ouais, enfin, on voulait jouer encore plus, et puis et que les gens puissent nous connaître un peu plus, éventuellement aussi à travers la Romandie, parce qu'on passe beaucoup de temps à Paris, et parfois on a tendance à dénigrer ici parce qu'il y a moins de choses, tout simplement. Donc c'est des événements qu'on doit créer nous-mêmes, et du coup on est allé chercher. La Parenthèse, qui sont les premières qui m'ont demandé à Nyon, parce qu'on avait l'impression que c'était un lieu qui se prêtait bien à l'atmosphère qu'on voulait. Ou d'ailleurs, il y a des posters d'Alioz, parce qu'ils ont joué là-bas aussi. Et le Bleu Lézard à Lausanne aussi, qui s'y prêtait bien. Lausanne, où d'ailleurs, on joue nos spectacles respectifs en solo, du coup, avec Alexandre. Je crois que lui, il joue ce week-end. C'est dommage, il n'est pas là pour faire sa promo, mais je l'ai dit. Il joue ce week-end au CPO, et moi, je joue celui d'après, donc les 3 et 4 novembre au CPO, à Lausanne, dans mon spectacle Joie de vivre, que je vous invite volontiers à venir voir.
le rendez-vous est lancé. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonne suite. On se réjouit de vous revoir tout prochainement. Et la porte est toujours ouverte. Plein de dates encore à noter. À Rolle, au Casino Théâtre de Rolle, Le Rire sera défendu par le comédien Fabien Ferrari avec 4 présentations du 26 au 29 octobre pour Dire l'inverse, penser le contraire et vice-versa. À l'usine Gaz, ne ratez pas l'éternelle soirée coquillages et crustacés le samedi 28 octobre pour La Nuit des Morts Vivants. Et du côté de la parenthèse, place à un groupe islandais, Mammut. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, allez, il paraît que c'est génial. Quant à moi, pas rendez-vous la semaine prochaine puisque c'est Marc Descoster qui reprend ma place. Moi, vous pourrez me retrouver dans le journal et l'info. Salut, à très vite, merci.